Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec le site Pimpomperl. Donc je vais essayer de réaliser une bague avec le lot qu'ils m'ont envoyé. Donc je vais utiliser pour sûr le fil de fer et les perles de rocaille. Et après je vais voir si j'inclus une breloque ou des petites perles facettes comme ceci ou pas. Ben donc c'est parti. Donc là je viens vider mon sachet de perles dans une petite coupelle. Voilà. Maintenant je prends le fil de fer. Donc c'est un fil de fer assez souple. Donc j'ai pas du tout les références pour le retrouver sur le site. Si je vous le retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc là je viens le démêler, le tendre. Et je le plie en deux, donc je marque le milieu et je viens enfiler 5 perles. Donc là, comme c'était un mélange de perles, un mélange de plusieurs couleurs, je l'ai laissé mélanger. Donc je viens placer mes perles au milieu du fil. Donc je viens replacer 5 perles sur un de mes fils. Et je vais venir croiser avec mon second fil. Et je vais répéter cette opération tout au long de la bague en fait. Donc à chaque fois, 5 perles, je croise mes fils, 5 perles, je croise mes fils. Là, je suis arrivée environ au milieu de ma bague. Donc, je vais venir prendre une breloque. Donc, là, j'ai choisi la breloque plume. Ensuite, je prends deux anneaux. Donc, je crois que c'est des 4 mm. Donc, je ferme d'abord un des anneaux correctement. Ensuite, j'en ouvre un. Je mets la breloque et mon anneau fermé. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant je vais venir le placer dans ma bague. Donc je passe deux perles, ma breloque et trois perles. Et je viens croiser mon fil dans tout ça. Donc on fait attention à ce que la breloque ne se déplace pas en bas ou en haut de la bague parce que sinon ça sera pas joli. Et ensuite je continue toujours à mettre 5 perles, je croise mes fils et je continue jusqu'à avoir fini ma bague.
Donc là maintenant notre bague est terminée, donc je vais venir la fermer. Donc je passe un de mes fils dans le tout premier rang de perles qu'on a passé. Donc là ça nous forme notre bague. Et maintenant je vais venir entortiller mes deux bouts de fil de fer. Donc on serre bien. Donc voilà. Donc voilà ce que va nous donner notre bague. Donc maintenant je vais venir couper le fil et je vais venir le camoufler entre deux rangs de perles. Là j'utilise une petite pince, mais avec le doigt en fait ça va très bien. Et donc il est camouflé entre deux rangs de perles. Donc voilà, notre petite bague est terminée. Donc après vous mettez la breloque de votre choix. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est très simple. Il faut juste du fil de fer et des perles. Et après, c'est pas obligé de mettre une breloque. On peut laisser la bague uniquement comme ceci. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie encore le site Pim Pom Perle pour sa confiance. Et n'oubliez pas qu'il y a un code promo de moins 30%. Donc je vous le noterai ici dans la barre d'infos. Et donc c'est Perlissime PPP30. Donc voilà, ben, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Bisous à tous.